Bonjour, Gare du Nord. Alhamdulillah, assalam à Gare du Nord. J'espère que vous allez tous bien. Ça va? Amélie, j'aimerais vous dire un message tout simple aujourd'hui. Que tout simplement que Dieu vous aime. Allah bihibbuk. Et ce message, je pense que vous l'avez déjà tous entendu. Combien de fois vous avez entendu que Dieu vous aime? Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Allah amal il aglukum. Moi je vais vous dire que Dieu est tellement amour. Ana aglukum illi Allah mahabba. Qui n'a pas juste dit que je t'aime. Ma alch bas bahabbak. Mais qu'il a décidé de descendre sur cette terre. Bas nizel al ard. La Bible déclare. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette personne est Jésus-Christ. Dieu qui était en haut, dans le trône tout en haut. Il a vu ses enfants tout tristes, remplis de péchés. Et il a décidé de venir naître dans une crèche tout en bas, tout petit. Et il a fait par amour. Parce que nous sommes sales, mais Dieu est saint. Et comment un être sale peut entrer au paradis alors que nous sommes l'inverse de Dieu? Et tout simplement, c'est par l'amour de Dieu, parce que Dieu est venu sur cette terre. L'humanité entière est remplie de péchés. Nous sommes tous des pécheurs, et moi le premier. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu ici. Il s'est fait humilier pour nous tous. Il s'est fait frapper pour nous. Fouetter, frapper, humilier. Les gens l'ont maltraité. Et il a dit: aimez vos ennemis. Combien de personnes ici aiment leur ennemi? Et Jésus aimait les ennemis. Et il a grandi sur cette terre. Et le Messie. Et il a décidé de prendre le poids le plus lourd dans cette terre. Il a décidé de prendre les péchés de toi, de toi, de toi, de tout le monde ici. Il suffit juste de l'accepter dans sa vie. Si tu acceptes tout ce que Jésus a fait, là il te rend blanc à l'intérieur, il te nettoie. Et il te donne l'accès au paradis, il te donne l'accès au trône de Dieu. Et encore mieux, il enlève le voile qui est fermé et il ouvre ce voile et te donne une relation avec lui. Il veut venir dans ta vie aujourd'hui. On a tous entendu que Dieu nous aime, mais Dieu veut plus que ça. Dieu veut une relation avec toi, parce que la religion, c'est vraiment une forme pour que l'homme recherche Dieu. Mais la relation, tout simplement, c'est que Dieu lui-même veut te chercher toi et te parler toi. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin de toi. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin de nous tous. Pour que nous soyons tous unis. Et que nous sommes tous dans la joie. Dans l'amour. Dans la paix. Et à la recherche du royaume de Dieu. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu t'es peut-être éloigné de Dieu. Tu as peut-être déjà entendu que Dieu t'aime, mais tu l'as jamais véritablement accepté dans ton cœur. Aujourd'hui, tu peux avoir cette expérience avec le Seigneur. Il suffit juste de dire cette prière. Répète dans ton cœur, parce que Dieu regarde au cœur d'une personne. Seigneur, aujourd'hui je reconnais que je suis un pécheur. Et je crois dans mon cœur que tu es vraiment venu sur cette terre.
بقلبي ان انت المسيح جيت على الارض et que tu es mort et ressuscité pour moi وموت وحييت لاجلي et aujourd'hui Seigneur النهارده je décide Seigneur Ya Yesu el Masih de t'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ma vie بقلك ك رب